Hello tout le monde, c'est Broudaf, bienvenue dans le 40e épisode de Pathfinder 2. Alors, on en était resté à cette sacrée porte qui ne veut pas s'ouvrir. On va réessayer. Oh, et en normal en plus. Et promis, je n'ai rien changé. Alors, au premier étage. Ah, bah c'était peut-être ça les portes qu'on n'arrivait pas à ouvrir. C'était ça, oui. Donc, ça c'est quoi? Du verre, d'accord. Voilà, celle-là a été ouverte. Ça, c'est une des portes qu'on n'arrivait pas à ouvrir, mais il y a également normalement d'autres portes. Je ne sais plus. En tout cas, hop. Donc, on peut ouvrir là si on veut. Voilà, en cas de besoin. Je présume que ça, voilà, ça ouvre ou ça ferme celle-là. Donc ce piège-là. Ok, on va aller emmener Camélia là-bas. Au cas où il y ait des ennemis, on va la cacher. Se dissimuler, quoi. Donc, il y a un deuxième piège. Ok. On va rapprocher les autres au cas où. Ah, il y a du monde. Il y a un gros monde. Un gros monstre. Ok, hop, on va revenir en arrière. Ça les a fait venir, d'accord. Ta ta ta, reculez, on n'affronte pas les gens à côté du piège. Minotaure, on n'est pas dans la merde. Alors, toi. À toi, on va te faire guérir par elle. Voilà. Revenez là, bande de. Il y a un piège encore. Mais t'es idiot, toi. Viens là. Bon, visiblement, il n'y a plus de piège.
Allez, revenez tous ensemble. Toi, tu vas nous faire des soins. Toi aussi, tu vas nous faire des soins. Ah là là. Bon, là, il y avait besoin d'une clé, je crois pas l'avoir lootée, hein. Non. Voilà. Donc ici, c'est fait. Là, il faut la clé. Ici, ça va pas nous servir à grand-chose de revenir là. On va juste ouvrir la porte en cas de besoin, mais de toute façon, c'est verrouillé. D'accord. Hop, 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 hop. Ici, on n'avait pas fait. Tant d'espoir et de projets partis en fumée avec cette ville et tant d'autres encore à brûler bientôt. Ok. Alors, a priori, Camélia aurait reconnu Arélu Vorlesh. Ici, à Kenabres, j'espère ne pas la croiser sur le champ de bataille. Si je ne me trompe, nous venons d'apercevoir la personne la plus détestée de tout Mendev, Arélu Erlesh en personne. D'accord. Cœur démoniaque qui sert à faire des parchemins ou des potions. Et c'était tout. Essayons d'ouvrir la porte. Ah, un jet de mobilité. Ok, d'accord. Ça va être un peu compliqué avec le surpoids. Alors, on a fait l'échec. Mais on est passé, c'est ça? Oui, bon bah d'accord. Alors, des potions, des vents de paralysie, restauration partielle et dissipation de la fièvre. D'accord. On est à quel étage là? J'arrive pas à me repérer vraiment. D'accord, on est là. Deuxième étage.
On va retenter. Bon, il est largement faisable, hein. Cette fois-ci, on a réussi. Alors, hop, poussière de diamant et du fric. Armure de mage, des trucs à revendre. Cette illustration dépeint une femme en armure brandissant son épée vers les cieux. L'inscription indique Yaniel de Dresden, la sainte martyre. D'accord. Et c'est tout. Priori. Ah, on est encore tombé. Bon, c'est pas grave. On a fait normalement tout ce qu'il y avait à faire. Donc ici, sauf là où on a besoin de la clé. Donc, il va être temps d'aller affronter les autres. Ah non, on n'avait pas tout fait encore. On va ouvrir cette porte-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette porte? Hey, on a réussi avec des outils. Une hache de guerre naine. Alors, il va être temps de faire peut-être un petit peu de place. Surtout un peu le temps de voir ce qu'on a récupéré. Une dague brillante, donc la maladie on l'avait déjà. Fléau d'armes léger de l'explosion lumineuse. Ça peut être pas mal. Fait grigeois, on s'en tamponne pour le moment. Est-ce qu'on pourrait pas les choper à la porte en fait. Je trouve pas ce que je veux. Ok, donc. Alors, toi, tu vas te prendre une petite potion de vie. Hop, toi aussi. Même, hop, te mettre à fond. Toi aussi, on va te mettre à fond. Voilà. Le cheval aussi, tu vas boire ta potion. Un point de vie, mais ça peut faire toute la différence pour lui. Voilà. Ensuite, qui a la meilleure CA?
Toi, t'as 12. T'as 22 en tout. Allez, on va te prendre toi. On va te prendre que toi. Ta 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 ta. Non, c'est pas ce que je voulais. Toi, tu restes là. Toi, tu restes là aussi. Toi, tu restes là. Toi, tu restes là. Toi, tu restes là. Et toi, tu restes là. Ah, et vous maintenez la position. Ensuite, est-ce que toi, tu pourrais pas faire un truc de pour les faire tomber? On va essayer de te faire faire ça. Problème, c'est que ça te fait vachement avancer. On va te faire venir là, toi. Voilà. No glory without me. You won't survive me. Alors, Camélia peut plus faire de sort de soins. Toi, tu vas aller. Non, il y a déjà eu. Tu vas lui faire ça. Toi aussi, tu vas aller le soigner, Liam. Et puis toi, tu vas te boire toi-même une potion. Voilà. Guérison. Mais il peut pas guérir le poney. Alors, sois modéré sur le poney. Ah, le poney il est retombé, mince. Make every strike count. Poney vraiment mort.
Hop, toi tu vas taper là. Allez, voilà. Toi. Tu ne peux pas les guérir avec ça. Tu vas donc les guérir. Tu vas donc faire. Hop. Non, tu vas pas faire ça. Voilà. Et toi, tu vas faire ça. Compliqué ce combat. Et j'ai l'impression que ça ne va pas passer encore une fois. Alors, hop. Alors, on va charger la sauvegarde plutôt. Voilà. Et avant de faire le combat, on va aller passer la nuit, histoire de récupérer tous les sorts. Voilà. Il n'y a rien qui cloche chez moi, je sais pas, t'es à moitié en cendres. Hop, on va sauvegarder, puisqu'on a gagné en plus petit buff de temporaire de vie. Bon, alors, c'était à peu près comme ça. Mais sauf que mon héros devrait encaisser un peu plus. Et elle, on va lancer le sort d'enchevêtrement plutôt. On va le mettre là.
Lion Alpha. Non, punaise, revenez là, vous. On va le mettre là. Voilà. Pinaise. Bon. C'est pas grave. On va se passer des sorts d'enchevêtrement. Alors, bon, on les tue, c'est déjà ça. Toi, tu vas faire la guérison sur elle. Oh, j'en ai marre. Ça veut pas passer. Savez quoi? On va les attendre dans cette pièce. La porte est moins large. Alors, maintenir position. Voilà. Toi, tac, tu restes ici. Maintenir position. Voilà. Et maintenant. Et je vais pas looter en plein combat. Ah punaise, qu'est-ce qui prend cher? Attends, on va plutôt faire avec elle. Voilà, et elle va essayer de faire un orbe ici. Voilà. D'accord, ça sert à rien. Ah si, ça a touché un petit peu. Ah, ça fait pas beaucoup de dégâts, hein.
Hop. You've crossed the wrong mongrel. Ah mais lui il a rien pour leur faire des dégâts. Hein. C'est un pur soigneur. Hein. Des coups. D'accord, donc l'autre il fait des coups critiques à 55 quand même, Jesseline. Bon, bah c'est fini. Hein, ça va être fini pour cette fois-ci. On va se remettre à la sauvegarde. Et puis pour le prochain épisode, je vais réfléchir un petit peu au sort que je pourrais prendre pour essayer de passer ce combat, parce qu'on est obligé de le faire là, et que bah, je suis loin de pouvoir passer un niveau qui me débloquerait de nouveaux sorts, ou tout simplement plus de vie, plus de force. Donc voilà. Non, on va réfléchir à tout ça. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao!